Bienvenue tout le monde. On est vraiment content, vraiment, de pouvoir vous voir. Hein, avec la pandémie, les deux dernières années, on n'a tous pas sorti beaucoup. Mais là, de pouvoir vous voir comme ça, du moins en virtuel, ça nous fait chaud au cœur. Merci d'avoir pris ce temps-là à part pour être avec nous ce midi. On a des belles choses à vous partager. Juste vous dire que c'est la première fois qu'on fait ça. Alors, on va mettre tout notre cœur comme on fait à l'habitude, puis on espère qu'on va être à la hauteur du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Même. Oui. Voilà. C'est parti. Voilà. Donc, tout au long de la rencontre, on va être accompagné par notre beau PowerPoint parce qu'on a vraiment des belles choses à vous montrer. Donc, bienvenue à la rencontre CQOC-CSOC qui se veut un survol de 2021 et de 2022, une année qui a été très, très chargée. On vous remonte nos deux beaux logos parce qu'on sait qu'on fait toujours référence CQOC-CSOC. Donc, le CQOC, c'est plus notre département corporatif au niveau également des membres affiliés. Et le CSOC, pardon, c'est davantage au niveau de la comptabilité. Donc, constamment, on va faire référence à CQOC, CSOC, deux entités qui ne font qu'un au niveau. Naturellement, il faut se rappeler notre mission de base, c'était se rappeler de la mission qu'on avait au départ, c'était d'aider les organismes. Alors, on va survoler les bénédictions qu'on a reçues, on va voir les défis rencontrés, formation continue, l'importance de votre soutien, les services que le CS et le CQ peuvent vous offrir, les projets qu'on a pour l'année en cours et la période de questions à la fin. Exactement. Pour la période de questions, s'il y en a qui ont peur de les oublier, vous pouvez les écrire dans le chat. Donc, on a Elisabeth qui est cachée derrière la caméra, mais qui est là pour nous soutenir et c'est elle qui va les voir. Donc, si vous avez peur de les oublier, vous pouvez les écrire dans le chat ou sur une feuille parce qu'à la fin, on se réserve de 1 h à 1 h 30 pour répondre aux questions, écouter vos commentaires pour qu'on puisse jaser également ensemble. On a notre Jean qui est de l'autre côté dans la salle de conférence. Jean, est-ce que tu peux juste dire coucou pour que ta photo apparaisse en haut? Allô? Fais donc un test, est-ce que tu peux parler? Vous m'entendez? Très bien. Donc, Jean, OK. on l'appelle souvent affectueusement notre père prieur. Donc, c'est un homme qui est passionné du Seigneur Jésus-Christ et de la prière. Alors, est-ce que tu peux remettre pour nous cette rencontre dans les mains du Seigneur, s'il te plaît? OK. Prions. Dieu d'amour, Dieu de paix. Notre Père céleste, Seigneur Jésus, nous voici encore devant ta face. Toi en qui il y a point d'ombre de variation. Et je sais que tu es au milieu de nous encore cet après-midi pour nous accompagner. Je veux te remercier pour la présence de tous les frères et sœurs maintenant en ligne. Je sais qu'il n'y a pas de distance dans ton royaume. Et puisque nous sommes réunis, Seigneur Jésus, tu es au milieu de nous. Et nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la sagesse, que tu nous donnes le discernement, d'apprendre, que tu nous donnes l'intelligence, Seigneur, pour comprendre ce pourquoi tu nous as appelés. Seigneur, nous voulons te servir. C'est pourquoi nous sommes réunis ensemble encore cet après-midi. Et nous prions, Seigneur, que tu bénisses tout un chacun. Ceux qui vont rentrer, ceux qui sont déjà rentrés, Seigneur Jésus, nous confions tout un chacun entre tes mains. Que cette communion fraternelle puisse grandir au milieu de nous pour la gloire de ton nom. Nous bénissons ton nom et nous prions, Seigneur, que tu ouvres les écluses du ciel et que tu déverses ta bénédiction sur tous les organismes au nom précieux de Jésus-Christ. Que cette réunion, Seigneur, soit dirigée par ton Esprit Saint et que tout se passe, tout se déroule dans de bonnes conditions. Nous attendons beaucoup de toi, Seigneur Jésus. Accompagne-nous, dirige-nous, prends tout entre tes mains, toi-même. Merci Seigneur pour la présence encore de tout un chacun au nom précieux de Jésus-Christ.
Amen. 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 Merci beaucoup, Jean. Merci. Je vais vous inviter pour la continuité à mettre vos micros sur inactif. Et à la fin, on va pouvoir réactiver tous les micros pour qu'on puisse jaser ensemble. Alors, on continue. Dans les animateurs, vous voyez sur le divan, ça va être nous trois qui allons vous placoter pour la prochaine heure. Il y a Donald Alexandre, qui est le président du CSOC. Il y a Linda Roy, qui est également sur le conseil d'administration de cette fois-ci, c'est le CQOC. Et moi-même, Émilie Thibault, qui est la présidente du CQOC. Alors, on va être vos trois animateurs pour la rencontre. On voulait prendre un temps de bien vous présenter l'équipe puisqu'ils sont de l'autre côté, mais on les voit quand même en petit. Je vous présente tout d'abord Elisabeth Bienvenue, qui est cachée derrière la caméra, mais c'est notre metteur en scène. On a Pascaline, qui vient du Congo. Olivier, qui vient du Togo. Jean, qui vient du Togo aussi. On a Suzanne, Canada. Et Richard Aqua Aqua, qui vient du Cameroun. Donc, on est bien heureux, bénis d'avoir une équipe qui représente les différentes cultures. C'est une richesse. Alors, voici notre belle équipe. On veut effectivement se rappeler quelle est la mission du CQOC-CSOC. Nous, ça fait 20 ans qu'on navigue dans tout ça, mais il y en a pour qui ils viennent peut-être de nous connaître ou qui n'ont peut-être pas nécessairement la vue d'ensemble parce qu'ils ont fait affaire dans le cadre d'un service. Mais vraiment, si on résume quelle est la mission du CQOC-CSOC, c'est d'aider les organismes chrétiens au Québec via un soutien professionnel qui est administratif, comptable et corporatif pour vous soulager en fait de ce fardeau qui peut être sur vos épaules. Autrement dit, nous, on aime les papiers. Ce que beaucoup de pasteurs nous disent ou d'administrateurs qui ont des papiers, nous, on aime ça. Et on est vraiment là pour venir soulager votre fardeau administratif pour que vous puissiez vraiment marcher dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Il va sûrement être surpris en ce moment-ci. En plus, je le vois dans la galerie. On voulait vraiment prendre un temps pour remercier une personne qui a été clé dans la mise sur pied du CQOC et du CSOC. C'est Roger Thibault, qui est mon papa également. On veut vraiment prendre un temps pour souligner que ça l'a pris une personne qui a dû faire le pas de foi de dire « Oui, Seigneur, me voici », qui a répondu à la vision et à l'appel que Dieu a donné, lui a donné. Et on veut le remercier et on veut dire au Seigneur qu'on est reconnaissant qu'il puisse l'utiliser encore puissamment dans sa mission. Des faits qui nous ont quand même surpris, on va les faire apparaître à l'instant. C'est que jusqu'à maintenant, quand on a lu les données, on a pu aider, servir de près ou de loin plus de 600 églises et plus de 300 ministères. Alors vraiment, gloire à Dieu. On voit qu'il y a un besoin avec le CQOC et le CSOC, puis ça nous fait plaisir de pouvoir aider. Donc, les bénédictions reçues, hein, on en a-tu eu des bénédictions cette année? Oui! On avait, entre autres, vous allez voir qu'on va vous parler beaucoup d'un volet rénovation, parce que ça a été, pour nous, c'était un sujet de prière. On avait des gros travaux à faire dans les locaux ici. On avait de la modernisation à faire au niveau de l'équipement informatique. Et nos deux trésoriers, hein, parce que mes deux collègues, eux, aiment beaucoup les chiffres. Moi, j'aime les lettres. Donc, les chiffres, c'est est-ce qu'on a les sous pour faire tel projet? Et moi et entre autres, Elisabeth, dans ce projet-là, oui, hein, côté créatif, tout est beau, tout est cool, mais le budget, des fois, ne le permettait pas. En fait, tout ça pour dire qu'il fallait rénover. On n'avait pas les sous, on n'avait pas le temps, on n'avait pas la main-d'œuvre, mais on avait foi que le Seigneur était pour faire quelque chose pour nous surprendre. Et voici ce qu'il a fait. En 2020, on a eu
connaissance d'une subvention sur mesure pour nous. Et Donald, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu comment c'est arrivé cette subvention. OK. Bonjour à tous. Mais je vais expliquer en deux phases. J'avais eu une pression de quelqu'un qui devait fêter ses 40 ans et qui m'avait demandé pour son anniversaire de lui offrir le changement de tapis. Dans le bureau. Donc, à cette même époque, je déménageais de chez moi et puis il y avait une subvention que ça avait, que c'était pour renforcer les organismes dirigés par les communautés noires. Et sur ma table, en plein déménagement, j'ai écrit le projet à la main que j'ai soumis au gouvernement et gloire à Dieu, le projet a été accepté. Heureusement, j'ai pu donner le cadeau de 40 ans à ma chère collègue, ma chère directrice, qui me mettait de la pression de changer de table. Donc, effectivement, en 2020, on a soumis cette demande de subvention. On sait qu'il y a eu la COVID, donc ils ont mis ça sur la glace. On se disait, Seigneur, par la foi, on sait qu'on a placé notre demande, on attend. En 2021, on a eu la bonne nouvelle et en 2022, c'est là qu'a commencé les rénaux. Puis on veut vous amener, venez avec moi faire un petit tour dans les rénaux où on a eu plusieurs mois de conciliation, rénaux et travail. Parce que pendant ce temps-là, c'était comme une course contre la montre. On continuait à vous servir en deux bruits de gonne à clous, on répond au téléphone. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de photos à l'écran, mais on va les voir un petit peu plus en détail. Donc, Elisabeth, si tu peux continuer. On veut vous présenter la réception, donc avant et après. Vous voyez dans la prochaine diapo, entre autres, c'est le tapis que je veux vous amener à votre attention. On avait un tapis, on fait des farces avec ce tapis-là, mais ce n'était pas question de design. C'est que le tapis avait plus de 20 ans. Et il était usé à la corde. Donc, le fournisseur qui venait les laver une fois par année disait, écoute, au prochain lavage, ma machine va manger vos tapis parce qu'ils sont usés. Naturellement, ben, pour la santé de l'équipe, on a vu aussi dans le temps de COVID, télétravail, qu'il y avait des personnes qui toussaient moins parce qu'il était à la maison. Donc, on s'est dit, OK, là, le tapis, au-delà de la beauté, c'est aussi pour la santé de l'équipe. Et changer un tapis sur un environnement de travail de plus de 6000 pieds carrés, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sous. Alors, gloire à Dieu, on a pu le faire. On a également pu prendre un bureau, comme vous allez voir, et en faire une salle d'impression et une salle de papeterie. Alors nous, notre travail, c'est d'être constamment dans les papiers, de faire des impressions, de faire des envois de chez nous à chez vous. On a besoin d'avoir accès à tout ce matériel et c'est un petit peu éparpillé dans le bureau où est-ce qu'on pouvait mettre certains éléments. Alors on a pris un bureau. Et on en a fait notre salle où tout est regroupé au même endroit. Donc, il y a beaucoup moins de bruit aussi au niveau de la comptabilité parce que quand on fait rouler le photocopieur avec les téléphones, ça faisait de la compétition. Donc, on a vraiment une plus grande quiétude dans le bureau. Fait que, gloire à Dieu pour ça aussi, possible grâce à la subvention. Vous voyez notre belle salle de conférence. Alors, c'est de là que sont une partie de l'équipe. Il y en a une autre partie qui est répartie dans le bureau, mais on a une partie qui est là. Si on continue, on va voir que la différence, au-delà que c'est beaucoup plus joli, on dirait qu'on a tassé les murs, qu'on a agrandi, mais c'est les mêmes dimensions. C'est que maintenant, on peut, en plus de rencontrer en personne, on a une facilité avec la télévision pour faire de la vidéoconférence. Alors, ça, c'est vraiment bien dans un projet qu'on va parler tantôt des dons planifiés. Ça va être quelque chose qui va être très intéressant. C'est le bureau dans lequel on est présentement. Vous reconnaissez les petits carreaux en arrière pour couper le son. C'est un bureau qui est le bureau d'Elisabeth qui maintenant et aussi un studio. Alors, c'est un autre volet de la subvention qui nous permet maintenant qu'on a pu upgrader nos équipements informatiques, mais également aller se chercher du matériel pour pouvoir vous rejoindre, soit par des vidéos, des tutoriels, on va en parler tout à l'heure, puis une rencontre comme aujourd'hui. Alors, ça prend de l'équipement minimum pour être capable de le faire et la subvention nous a également
aider pour ce volet. On avait perdu notre coin de dîner hein, parce qu'on on l'avait converti en salle de conférence. Donc, on s'est refait un petit coin de dîner. On est une grande famille au CQOC, hein, on est des frères et des sœurs, donc c'est important de prendre un temps le matin pour échanger, se soutenir, s'encourager et de prendre un temps aussi ensemble pour dîner. Alors, on a pu se faire un petit coin de dîner grâce à la subvention, encore une fois. Un autre élément qui était essentiel, c'était nos chaises. Alors, nos chaises avaient plus de 20 ans d'usure à nous soutenir à travers nos différentes heures de comptabilité, monter des dossiers et tout. Quand ils nous soutenaient. Quand ils nous soutenaient. Pourquoi tu dis ça, Linda? Parce que quand on s'assoyait, les chaises descendaient toutes seules. Oui, donc là, dans la journée, on devait jouer avec la clanche pour essayer de se remonter, pour retrouver un confort. Puis ça, bien, ça ne se réparait pas. Alors, c'est devenu un essentiel pour nous, pour le confort, parce que dans le fond, nous, toute la journée, on est assis. Sinon, on est dans la salle d'impression. C'était vraiment bien un beau cadeau. Voici notre coin comptabilité. On va voir justement dans la prochaine diapo que avant, il y avait un gros mur, des panneaux vitrés qui séparaient la comptabilité. Alors, ça faisait très cloisonné, ça l'empêchait de pouvoir réorganiser l'espace selon nos besoins. Et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de classeurs. Donc, Elisabeth, dans son plan qu'elle nous a fait de décor, elle a dit, écoutez, je pense que ça serait vraiment le moment de lancer notre virage vert. Alors, on s'est départi de beaucoup de classeurs. On a fait du scan, du scan et du scan. Et là, on est en train de s'en aller encore plus côté informatique. Pour la production de documents. Et le virage vert, en faisant une continuité, on a aussi profité pour ajouter de la verdure. La verdure qui est bon pour un environnement qui est sain et productif. Et c'est qui s'occupe, justement, petit flash, qui s'occupe des plantes? Pas moi! Merci, Suzanne, parce que même si ma maman a le pouce très vert. Moi, je ne l'ai pas. Et moi non plus. Et j'ai dit, ça ne me dérange pas qu'il y ait des plantes, c'est super, mais l'idéal pour tous, ce serait que je ne m'en occupe pas. Donc, merci Suzanne. Dans les défis rencontrés, c'est certain qu'il y en a eu. Comme je vous disais, on a dû concilier les rénaux avec le service. On a continué à vous desservir tout au long de ces rénaux. Mais on a eu aussi certaines remises en question parce qu'il y avait deux problématiques, entre autres, qui se sont présentées au niveau de notre clientèle. Puis on va en parler un petit peu plus loin. Mais c'est au niveau des clients retardataires. Donc, je suis certaine que parmi tous ceux qui nous regardent, il n'y a personne qui est retardataire. Mais on va en parler. On a dû créer une nouvelle norme de service. Et plus loin que les retardataires, on a malheureusement des clients qui ont été révoqués. Donc, encore une fois, on va en parler. On a dû faire un plan de relance. Dans les brouhahas des rénaux, je vous ai mis une petite preuve que c'est toujours important de remettre nos projets au Seigneur, de prier pour sa protection. Alors, il y a un matin qu'on est arrivé, il faisait noir dans le bureau. On ne comprenait pas qu'est-ce qui arrivait. Donc, il y a eu une surtension et il y a une prise électrique qui a grillé. Donc, ça a dû prendre l'électricien. Alors, ça s'est concentré à ça. Ça n'a pas fait d'autres dommages. Mais on fait juste se rappeler que prions pour la protection du Seigneur en toutes choses. On a même eu le temps de se continuer à se former. Alors, pour nous, c'est vraiment important d'essayer d'être le plus outillé possible pour vous servir avec excellence. Donc, on n'a jamais trop de formation. Notre cœur, c'est de toujours vous offrir un service à la hauteur du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est certain que des fois, hein, on vit toutes des stress et d'aller chercher des outils, comment des fois désamorcer, c'est toujours pertinent. Alors, merci qu'on puisse mettre ça en application avec vous au quotidien dans notre service pour être à la hauteur du Seigneur.
l'importance de votre soutien. Donc là, oh, je te transfère la balle. Le trésor. Oui. Ouais. Merci encore d'être là. Merci ça, de participer à notre Zoom. Ça nous parle droit au cœur et on voit aussi que vous nous soutenez dans nos différents projets. Donc, c'est un plaisir pour moi de vous partager la révélation qui nous a été faite pendant, je pense que c'est 2 ans. Et certains d'entre vous vont être quand même assez surpris de voir une vache en face de vous, mais l'illustration qui m'a été donnée, c'est pour pouvoir boire du lait de la vache, il faut la nourrir. Donc, les membres affiliés servent à ça. Nous, au Conseil québécois, on aide les églises chrétiennes au Québec. On répond à leurs questions. On est là pour les aider vraiment. Donc, les membres affiliés, c'est un programme qui est créé pour ça. Donc, les clients que nous servons s'inscrivent comme membres affiliés et dans ce programme, ils nous font un don annuel. Et ce don-là assure la pérennité du Conseil québécois des organismes chrétiens. Donc, quand quelqu'un appelle, quand vous avez besoin de nous, ça permet à ce que nous soyons toujours là pour répondre aux questions. Et des fois, certains clients vont même dire, je n'ai jamais appelé. Même si vous n'avez pas appelé, mais vous nous soutenez pour aider d'autres organismes chrétiens. Et on est quand même sûr et certain, à un certain moment, vous aussi, vous allez nous appeler pour poser une question. Et nous, on va être quand même là pour répondre à vos questions. Donc, les membres affiliés sont là pour ça. Et les membres affiliés, ça veut dire que nous, on est la vache, vous nous soutenez, vous nous nourrissez et quand vous aurez besoin du lait, on va être là pour vous fournir le lait. Et Donald, ma question est, de où est venue cette image? Cette image m'est venue, j'ai été rencontrer un client et puis je lui parlais d'un projet, d'un service que nous offrons qui est à travers notre partenaire. On va en parler tantôt. C'est un service d'accord de dépôt révocable. Et puis ce client-là voulait avoir du financement, mais n'était pas prêt à investir son argent à CSS pour pouvoir financer d'autres immeubles. Et c'est à partir de là, Dieu m'a inspiré pour lui dire, « Bien, pasteur, si vous voulez boire du lait, de la vache, il faut nourrir. Maintenant, si vous avez de la liquidité, vous ne pouvez pas avoir le prêt. » Commencez d'abord à investir dans CSS et quand ça va venir, votre taux, vous allez facilement trouver du financement de CSS. Donc, Dieu m'a inspiré ça et puis on l'a aussi également utilisé pour les membres affiliés parce qu'on reçoit tout le temps d'appels déjà ce qui dit, on ne sait pas pourquoi qu'on fait le don, on ne sait pas pourquoi, mais l'année prochaine, des fois, il m'appelle, il dit, ah, OK, je commence à réaliser, oui, c'est effectivement, vous êtes là pour nous. Et donc, le don, les membres affiliés servent vraiment à ça. Je vous invite, vous qui participez avec nous, si vous n'êtes pas encore membre affilié de chez nous, pensez-y fortement parce que ça permet et ça assure vraiment la continuité de l'œuvre de Dieu. Oui. Donc, tantôt, je parlais de devenir membre affilié, mais en devenant membre affilié, ça vous permet aussi d'avoir des avantages que je vais énumérer, comme vous pouvez voir aussi sur l'écran. Ça vous permet d'avoir accès à nos différents outils en ligne qui se trouvent sur notre site Internet. Donc, on a des coffres d'outils et que vous allez avoir accès. On a, avec Racine Cherbala, un programme d'assurance qu'on a mis sur pied en partenariat avec Ecclesiastical. Donc, nos clients, nos membres affiliés, vont avoir un rabais s'ils ont premièrement comme courtier Racine Cherbala et comme assureur Ecclesiastical. On donne également un rabais de 10% sur un logiciel de don qu'on a mis sur pied qui s'appelle DDR2. Et on a travaillé l'année dernière un partenariat avec le CATC, le Centre canadien des organismes chrétiens. C'est un programme qui s'appelle MemPlus. CATC offre beaucoup de services que nous, au Conseil québécois des organismes chrétiens, que nous ne pouvons pas offrir, comme les fonds de pension, les assurances pour les pasteurs. Avec ce programme MemPlus, et pour seulement 100 $, nos églises,
qui ont des employés au Québec, même si c'est un seul employé, ils peuvent s'inscrire à CATC et bénéficier pour faire bénéficier aussi leurs employés des fonds de pension et aussi des assurances comme assurance santé, etc. C'est à ton tour, Linda. Ah, oui, c'est à ton tour. Ah, ben là, je vous présente la belle équipe qu'on a. Je pense que on les a déjà présentés au départ. Alors, c'est l'équipe de comptabilité. Et naturellement, on a ce qui se rejoint à nous, c'est notre beau Donald qui va prendre la relève parce que moi, je suis en train de préparer ma retraite tranquillement. Non! Et c'est ça, c'est, l'équipe, vous l'avez déjà rencontrée tout à l'heure. Là. Donc, dans le fond, Donald va te remplacer à titre de superviseur du département. Ouais. Tu es en train de le former. Alors, toi, il te reste deux saisons de roche à faire, si je peux dire, deux périodes là, où reçu tes cap et tout. Alors, on savoure chacune des choses. Oh, c'est gentil. Alors, au département de comptabilité, naturellement, on fait la comptabilité, la tenue de livre. On fait les T30-10, TP985, qui sont les rapports financiers qu'on envoie au gouvernement. On fait les demandes de remboursement de TPA-CVQ, calcul de paye, T4, relevé 1, etc., jusqu'à rapport à fin d'année, les reçus de dons, puis les exemptions de taxes. Oui, fait qu'ils sont très occupés, surtout à cette période-ci de l'année, janvier, février, mars. Ici, il y a de la stim qui sort parce que oui, les souris se font aller. Tout à l'heure, je vous parlais dans nos défis qu'on a eu à prendre position pour deux types de problématiques qu'on avait au bureau, soit des clients qui sont toujours en retard, et comme je vous disais, il n'y en a sûrement pas parmi vous, et des clients qui sont révoqués. On a fait ce petit tableau-là juste pour vous sensibiliser parce que nous, on sait les défis que vous vivez, parce que quand il arrive des situations, souvent les gens nous appellent, on a un trésorier qui a été malade, telle situation, on a perdu les papiers de l'église, telle chose. Mais on voulait en profiter aussi pour vous montrer l'arrière du décor, vous montrer un petit peu quel l'impact que ça peut avoir ici, un client qui arrive en retard. On a eu certains cas, par exemple, qui nous amenaient 12 mois de tenue de livre, de pas l'année en cours, mais l'année précédente. Ça veut dire qu'il était toujours sur le coup de minuit d'être évoqué. Alors ça veut dire que quand on reçoit vos documents, exemple de 12 mois en roche, il faut mettre une pression sur notre département de tenue de livre. Il faut qu'il se dépêche de compiler tous vos 12 mois, trier, démêler vos papiers, vous questionner. Et souvent, la mémoire est une faculté qui oublie. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel achat il y a eu le 10 mois? Des fois, on a de la difficulté à souvenir qu'est-ce qu'on a fait la semaine précédente. Donc, c'est difficile. Alors, ça amène beaucoup de stress. Par la suite, une fois que la tenue de livre est faite, on doit aller mettre de la pression à notre frère Richard, Richard Aqua, qui doit se dépêcher pour produire un état financier qui va nous permettre par la suite de remettre un stress au département de la comptabilité parce que là, il faut ultimement se dépêcher à produire la T30-10 et la TP985.22 qui sont les formulaires qui font en sorte qu'on arrête le risque d'être révoqué. Parce que le gouvernement, si par exemple votre fin est un 31 décembre, votre fin d'année, on a toujours 6 mois jusqu'au 30 juin pour envoyer ces rapports-là au gouvernement. Quand le gouvernement ne les a pas, à un moment donné, il y a plusieurs lettres qui sont envoyées et la dernière, c'est la révocation. Je l'ai mis en rouge, roche numéro 4, c'est que là, les gens nous arrivent et disent « Ah, on a été révoqué, qu'est-ce qui arrive? On ne peut plus émettre des reçus de dons. » Donc, ça crée beaucoup de stress dans notre équipe. Et vous avez vu qu'on n'est pas une multinationale, on n'est pas 100 personnes dans l'équipe, on est un petit noyau, on travaille fort, on est dévoué, mais on a la même réalité que vous. Il y a 24 heures dans une journée, puis il y a 7 jours dans une semaine. Alors, je veux vous montrer qu'est-ce qu'en équipe. On a prié, on a demandé au Seigneur, et ce qui nous est venu, c'est très simple. En fait, ce qu'on veut vous expliquer, c'est que pour nous, l'idéal, dans le fond, on vous demande, si vous voulez qu'on fasse votre tenue de livre,
que vous nous envoyez vos papiers aux 3 mois maximum. Parce que, vous savez, si on avait seulement un client à servir, on réussirait. Mais on en a plus de 200 régulièrement qu'on fait les exemples à tenue de livre et tout. Alors, si on en a 15, 20, peu importe, qui arrivent dans une situation catastrophique, qu'on est en nous, oui, déjà, exemple, la fin d'année, la limite, c'était le 30 juin. Donc, ils sont déjà très, très en retard. On doit faire le rush 1, 2, 3 pour éviter le 4. Ça met une énorme pression sur notre équipe. Alors ça, depuis 2023, c'est la nouvelle norme qu'on vous demande de travailler ensemble pour que tout le monde puisse être gagnant. Et également, s'il vous plaît, quand on vous écrit ou on vous appelle, rappelez-nous rapidement. Ça permet qu'on puisse aller jusqu'au bout dans votre dossier, le finaliser et faire sûr que tout est conforme. Alors, le but ultime de tout ça, c'est d'éviter les révocations. Donc, dans les années passées, l'Agence du revenu du Canada a été très patiente. On a même vu des organismes que des fois, ça faisait une année qu'ils étaient en retard et ils n'étaient même pas révoqués. Mais là, vous voyez comme cet automne, entre autres, il y a 4 dossiers de clients qu'on rappelait régulièrement pour leur dire « envoyez-nous vos papiers et tout » qui ont été révoqués. Alors là, ce que ça fait, ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui peut avoir des reçus pour fin d'impôt. Alors, vos donateurs qui fidèlement donnent chaque semaine, ces organismes, ces églises-là vont devoir leur dire qu'ils n'auront pas de reçu pour fin d'impôt. On doit recommencer complètement le processus d'enregistrement, mais avec les normes d'aujourd'hui. Ça veut dire que si, voilà 15 ans, les objets étaient, les clauses de la charte du certificat de naissance étaient admissibles, ça ne veut pas dire qu'en date d'aujourd'hui, c'est encore admissible. Alors, on doit faire des lettres patentes supplémentaires, donc c'est des frais encore pour l'Église, ça rajoute, ça rallonge le processus. Et on veut vous dire que justement, pour éviter, en fait, je vais le dire autrement. Vous savez, il y a des cas où on a dû les réenregistrer 2 fois. Puis on s'est dit, avec le gouvernement qui devient de plus en plus sévère, on ne veut pas revivre ça d'année en année. Alors, le plan de relance, c'est la première étape, c'est qu'on convoque les administrateurs parce qu'on veut leur expliquer l'importance d'être de bons intendants. Leur dire que quand le nom de l'organisme révoqué est présenté dans la Gazette du Canada, ce n'est pas victorieux, ça ne glorifie pas le nom du Seigneur. On veut leur expliquer c'est quoi comment ils peuvent bien se structurer pour éviter que ça réarrive, d'où l'étape 2. Le redressement administratif et le redressement corporatif. Je veux vraiment vous dire au nom de toute l'équipe que ces 2 plans-là qui sont faits, c'est par amour pour vous puis pour notre équipe. Alors, il n'y a aucunement de jugement là-dedans. C'est vraiment pour trouver une façon de travailler où tout le monde va être gagnant et que le nom du Seigneur va être glorifié. Alors, Donald, je te redonne le ballon. Oui, merci Mimi. Avant de parler du département des états financiers, j'aimerais juste ajouter quelque chose sur ce que Émilie a dit. Pourquoi qu'on est venu avec toute cette nouvelle norme-là? C'est parce que l'année passée, on a vécu un stress énorme avec les appels de dernière minute de clients qui étaient complètement en retard avec 12 mois. C'est comme en juin, on reçoit quelqu'un qui amène 12 mois de tenue de livre et le délai, c'est 30 juin. Et ensuite, des clients qui étaient révoqués, ça a fait comme un boom au bureau. Et l'autre chose aussi que je voulais vous partager, vous qui participez avec nous, c'est que je fais également du financement, mais en envoyant des états financiers complètement en retard, ça augmente le risque d'erreur, le risque d'erreur significatif dans vos états financiers parce que celui qui va faire les états financiers doit le faire vite et le fait, et vous aussi, vous allez oublier beaucoup de choses. Moi, dans le financement, j'ai déjà vu des clients qui donnent leurs dossiers à chaque année et un comptable, ce n'est pas nous, un comptable présente des chiffres similaires dans les états financiers de ce client à chaque année. Donc, c'est comme lui, il n'a pas le temps de faire quoi que ce soit, il redonne les mêmes chiffres dans les états financiers, il produit les mêmes déclarations sans changement.
Donc, juste pour vous dire que de votre côté, c'est quelque chose que vous devez éviter, que ce soit avec nous ou à n'importe quel comptable que vous utilisez. Donc, nous, au Conseil québécois, on a un département de comptabilité qui produit des missions de compilation. Les missions de compilation, on les fait avec notre comptable, notre frère en Christ, Richard Akoura. Richard, est-ce que tu peux saluer? Oui, est-ce que tu peux saluer le... Et dire un coucou, Richard. Ah, ben c'est parce que son micro est fermé. Bonjour, Richard. Oui, bonjour, Émilie. Bonjour à tous. Alors, c'est de toi qu'on parle, là. Donc, oui, notre Richard Akoua reprend tous les dossiers de Dorothy Faustin et il sera assisté par notre papa prière, tantôt que vous avez vu, Jean Douty. Donc, Jean aura à l'aider dans les différents dossiers. On fait aussi des rapports d'examen, des missions d'examen avec Gilles Tremblay, qui est aussi membre du Conseil québécois des organismes chrétiens, mais lui, il travaille plus à distance. Mm-hmm. Donc, tantôt, j'ai parlé dans les bénéfices des membres affiliés. J'avais parlé des outils en ligne. Dans les outils en ligne, on a le guide de tenue libre. Donc, certains clients, dépendamment de leur taille, peuvent aller regarder ce guide en ligne-là. On a de beaux fichiers Excel que les clients vont utiliser. Et même si ils ont souscrité avec quelqu'un d'autre, ça permet, le guide de tenue libre permet aussi aux trésoriers de l'Église d'avoir beaucoup, beaucoup d'informations sur la comptabilité, comment tenir le registre comptable, etc. Donc, si vous regardez un peu plus bas, vous allez voir que le guide de tenue libre permet plusieurs choses. C'est comme quatre paliers. OK? C'est un, la gestion et organisation des documents comptables, les différents documents que vous allez utiliser. Ça va vous permettre aussi de faire une tenue de livre, une compilation de données. Ça, c'est les petites églises si vous voulez faire quelque chose à l'interne. Ça vous permettra aussi de produire les états financiers, des petits états financiers et aussi divulguer vos informations auprès des deux agences gouvernementales. Donc, là, on veut parler d'AT30 et la TP985. Donc, comme je disais, vous allez trouver plusieurs fichiers Excel qui sont très utiles que vous serez capable de manipuler facilement. Si tu me permets, Donald, que ce soit nous ou eux qui font la tenue de livre, c'est quand même important à la base qu'il y ait une gestion à l'interne. Oui, tout à fait. Donc, le premier palier, que ce soit vous ou nous qui faisons la comptabilité, c'est important d'aller lire la gestion et organisation des documents comptables. L'une des raisons pour lesquelles certains organismes se sont fait révoquer, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à tenir un bon registre comptable. Donc, le registre comptable se fait à l'interne. Donc, comment classer les documents, comment organiser les différentes pièces justificatives, tous ces outils-là se trouvent dans le guide de tenue de livre que je vous invite d'abord à devenir membre affilié de CQOC et ensuite à aller consulter le guide de tenue de livre. Maintenant, on retourne au département corporatif, en fait. Je voulais vous présenter, quand vous appelez, les personnes qui vous répondent, ce sont Pascaline et ou Donald. C'est à eux que vous, généralement, vous posez vos questions, si vous avez besoin de reçus pour fin d'impôt, peu importe. Ce sont les premières voix que vous allez entendre. Et au niveau du corporatif, je suis très bénie de les avoir avec moi parce que au niveau de la production des dossiers, je suis seule sur le terrain à ce niveau-là. J'ai beaucoup besoin de Donald et de Pascaline pour répondre à certaines questions de base. Et moi, je peux me concentrer sur celles qui sont plus complexes et surtout d'être sur le terrain. De travailler au niveau de l'assistance pour les incorporations, les changements au niveau des chartes, l'enregistrement de la consultation. Malheureusement, parfois, des dissolutions, ça arrive pour une raison ou pour une autre ou que l'organisme doit fermer. Quand il y a un déménagement, il faut aviser les gouvernements, changer de siège social, s'il y a des changements d'administrateurs. Et je fais ce travail-là avec passion depuis le tout début, depuis 2001.
avec Notaire à l'art. Donc, Notaire à l'art, je l'appelle mon papa corporatif. C'est lui qui m'a formée et sous lequel j'étais sous son aile pour produire l'assistance au niveau du corporatif. Alain vient tout juste de prendre sa retraite. On veut en profiter pour le remercier de son dévouement et lui souhaiter une belle retraite. Et je sais que le Seigneur a encore des plans pour lui, pour son royaume. Maintenant, la relève est assurée par Elsie Moncho. Alors, Elsie, elle vient d'Haïti. Elsie du Bénin, pardon, désolée, elle vient du Bénin. Elsie, elle a été formée par Alain Allard, elle est allée passer un stage à son bureau. Et le Seigneur avait des plans de par cette rencontre-là. Puis maintenant, bien, c'est Elsie qui prend la relève. Donc, moi, je travaille avec elle au niveau corporatif et Donald travaille avec elle au niveau du financement. Ah, c'est à mon tour! Oui! Un autre bel outil pour lui. Le plus bel outil qui existe. Oui! Sur notre site web, c'est les coffres en ligne. C'est un de nos premiers projets qu'on avait ici, où ce qu'on avait dans ce temps-là, tout papier. Maintenant, on a tout en ligne. Les mises à jour se font beaucoup plus facilement que quand on les faisait papier. Oui. Alors, ces deux modules-là vous donnent un paquet d'informations. C'est un outil indispensable pour tous les trésoriers qui existent dans les églises, parce que souvent, c'est toutes des questions qui nous reviennent continuellement au niveau des téléphones. Alors, c'est quelque chose qui aide énormément. Dans le fond, c'est un résumé des devoirs, des obligations puis des privilèges. C'est ça, exactement. Oui, deux beaux outils, effectivement. Et il y a aussi le guide du livre de la corporation qui a suivi. Pas beaucoup de temps après. Exactement. Les coffres. Alors ça, c'est un autre outil indispensable parce que ça vous donne toute l'information au niveau des membres, des conseils d'administration, des assemblées générales, les avis de convocation. Ça comprend les modèles pour faire des avis de convocation, l'ordre du jour, procès-verbaux, résolution. Alors, c'est un outil incroyable pour... Oui. Puis ça a été tout monté par notre belle Émilie qui a fait tout ce travail-là pour vous aider à bien guider les trésoriers des églises. Oui, essayer de vulgariser ça le plus simple possible. Ouais. Parce qu'il y a une chose que, si tu me permets de rebondir sur ce que tu dis, Linda, le gouvernement, l'Agence du revenu du Canada peut venir vous visiter. Alors, on a vécu des clients que l'agence appelle et dit « telle date, je vais être chez vous, je veux voir votre tenue de livre, votre livre de la corporation, je veux voir tel papier ». Et nous, ça nous motive encore plus de former, sensibiliser, parce qu'au moment où il arrive, c'est pas le temps de faire du ménage. C'est ça. Toi, tu as déjà vécu l'expérience avec un client où le gouvernement prenait une enveloppe, un donateur qui avait eu un reçu, puis disait tel reçu, tel montant, tel nom. J'aimerais voir toutes les pièces justificatives. Alors là, c'est fouille dans une boîte, fouille dans l'autre. Oui, ça avait été stressant. Oui, c'est très, très, très stressant. Oui, que quand tout est bien classé, exactement. Ben, on va simplement chercher les bonnes pièces justificatives. Ce qui m'amène, encore une fois, ce que Donald disait tout à l'heure pour la gestion interne de tous les papiers, c'est très important. Puis dans les gens qui sont choisis par le gouvernement, on sait qu'il y a un volet qui est aléatoire. Donc, je ne sais pas, c'est pas nécessairement un tirage qui est agréable de gagner. Et des fois, ça va aussi avec les revenus de l'organisme ou des fois une plainte qui peut avoir été logée au gouvernement. Alors, on est toutes susceptibles d'avoir cette invitation un jour d'être vérifiées. C'est ça. Comme Émilie disait, il y a quand même plusieurs critères pour qu'on se fasse vérifier. Un, c'est, Émilie parlait des revenus. Il y a le tombola, le triage, ils vont vous choisir aléatoirement. Mais il y a aussi les états financiers. Si c'est mal préparé, comme je connais, on a des clients, c'était juste parce qu'il y avait des états financiers comparatifs différents. Donc, s'ils voient que les états financiers sont mal préparés, ils peuvent venir vérifier. Et puis, s'ils ont des plaintes aussi d'un client ou d'un autre organisme, de quelqu'un d'autre, ils peuvent venir vérifier. Donc, c'est quand même quatre bonnes raisons pour lesquelles ils peuvent débarquer chez vous et ils vont aller vérifier comment
comment est-ce que vous vous préparez à l'interne. Donc, c'est extrêmement important, d'où l'importance d'aller regarder le guide de tenue de livre. Ah, c'est bon. Oui, donc, c'est bon. Pour les différents services de sécurité, là, on va aller directement sur notre site Internet. Donc, ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à aller visiter notre site. Et une fois que vous arrivez sur notre site Internet, vous allez voir qu'il y a 4 onglets. Ouais. Le premier onglet, c'est le onglet corporatif. C'est moi! Ouais, qui parle, ça, c'est plus le volet d'Émilie qui parle de comment partir un organisme. Donc, certains, on va trouver le questionnaire et puis les différents services corporatifs qu'on offre. Le deuxième onglet, c'est la comptabilité. On va parler de tenue de livre et des différents services financiers que nous offrons. Le troisième onglet, c'est le financement hypothécaire et les dons planifiés. Ça, c'est, je suis responsable de cet onglet-là. Et les différents outils que nous parlons tantôt, le coffre en ligne, le guide du livre de la corporation, etc. On a aussi un autre outil assez important qu'on parlait tantôt, ce qui est le DDR2. Si vous ne l'utilisez pas encore, je vous conseille parce que le DDR2, ça vous permet d'imprimer les reçus d'impôt. Certains clients utilisent le papier ou un fichier Excel. Ben, ce n'est pas mauvais, mais par contre, si un jour ça arrive que l'ordinateur vous perdez ce qui se trouve sur le disque dur, le papier, par mégarde, il y a une fuite d'eau et il y a quelque chose à l'église, c'est des informations que vous allez perdre. Or, pour le gouvernement, il y a un certain nombre d'années qu'il faut garder les documents. DDR2 est venu résoudre tout ça parce que nous vous offrons un logiciel infonuagique. Okay? Donc, vous pouvez avoir accès à vos reçus d'impôts, à votre base de données partout à travers le monde une fois que vous avez accès à Internet. Et vous pouvez même envoyer vos reçus par courriel. À chaque année, on essaie d'améliorer notre logiciel de reçus. Donc, ça ne coûte pas beaucoup. Jusqu'à maintenant, je pense que le plus gros prix pour le DDR2, c'est 54$ pour ceux qui ne sont pas membres du Conseil québécois. Donc, en étant membre, vous allez bénéficier d'un rabais. C'est 54$ par année. À chaque année, il faudrait quand même renouveler votre accès au DDR2. C'est un outil assez important. Je vous le conseille fortement. Puis nous, ben, ça nous permet de continuer à l'améliorer parce qu'il y a toujours des nouveaux besoins. On a vu avec la COVID beaucoup côté Internet informatisé, éviter la poste et tout. Et ça nous permet justement de continuer à l'améliorer. Moi, j'ai une question pour vous. DDR2, souvenez-vous pourquoi on a appelé ça comme ça? Parce qu'on avait un DDR avant. Oui, mais DDR fait référence. Don, dîme reçu. Oui, don, dîme reçu. Alors, des fois, il y en a qui nous disent DDR, ça veut dire quoi? Ouais. Donc, don, dîme reçu. Et le 2, c'est que c'est la version numéro 2. Alors, au début, on avait développé un logiciel qui était sur un CD, l'ancienne génération. Et ça, c'est le 1. Le 2, maintenant, est dans le cloud. D'autres services que nous offrons, comme je disais tantôt, le financement hypothécaire, les accords de dépôt révocables, les dons planifiés, on va relancer notre don planifié et bientôt, on va être très présent sur les réseaux sociaux. On y est, mais on va être beaucoup plus agressif parce qu'on va faire des vidéos, des tutoriels et tout ça, tous ces changements-là vont être faits par Elisabeth. Donc, d'où l'objectif de cette rencontre aujourd'hui, c'est pour vous dire, ben, on commence à avoir de l'équipement. Vous me voyez, je suis quand même assez beau. Oui, avec les petits éclairages, ça sort de mon contexte. On va bientôt faire des vidéos, donc restez à l'affût. On va faire des vidéos sur le financement, sur DDR2, surtout. Mais pour les différents volets que je viens de citer, si vous avez des questions, sentez-vous à l'aise de nous appeler. Ça nous ferait plaisir de vous répondre. Ou tantôt, à la période des questions, on pourra vous répondre. Notre site Internet, comme je disais tantôt, on va être très agressif via notre site Internet parce qu'on va ajouter des vidéos. Sur Facebook aussi, allez liker notre Facebook. Vous allez voir le petit pouce, j'aime. Cliquez dessus et comme ça, dans les prochaines publications que nous aurons à faire, ça va aller directement dans votre boîte.
Les ressources humaines. Donc, nous, c'est les trois membres des ressources humaines. Notre mission, c'est de soutenir notre équipe. C'est pour ça que tantôt, vous allez remarquer que Émilie parlait des nouvelles normes. C'est parce qu'on veut soutenir notre équipe, protéger notre équipe. On veut s'assurer aussi que toute l'équipe, on est là pour vous servir, mais que nous restons en santé, que nous allégeons le stress de l'équipe. Et puis, à chaque semaine, si vous voyez entre le lundi, entre 12h30 et 1h30, on n'est pas disponible, c'est parce qu'on est en prière. Donc, chaque semaine, nous prions le lundi entre 12h30 à 1h30. Si vous avez des requêtes de prière, sentez-vous à l'aise. Vous avez des membres de votre assemblée, un pasteur qui est malade, envoyez-nous ça par courrier. Ça nous ferait plaisir dans notre rencontre de prière le lundi de prier pour nos membres affiliés, pour nos clients. Pour les prochains en cours... C'est un beau résumé de tout ce qu'il y a devant nous. Hein? Oui, donc c'est un beau résumé, comme Émilie a dit. On a beaucoup de projets qui s'en viennent pour l'exercice 2022-2023. Comme je disais tantôt, le tutoriel sur DDR2, plusieurs clients nous appellent pour poser des questions sur DDR2. Donc d'ici la fin de l'année, on va faire notre mieux pour mettre des tutoriels de formation pour certains clients sur DDR2. On va faire aussi d'autres vidéos informatives, que ce soit pour les demandes d'exemption de taxes, pour d'autres services que nous offrons à la comptabilité. Et cette année aussi, on va relancer les dons planifiés. Les dons planifiés, on trouve que c'est extrêmement intéressant et on l'utilise beaucoup plus dans l'Ouest canadien, mais nous, on veut que ce soit impliqué au Québec. Donc, avec les dons planifiés, vous voyez tantôt avec la salle de conférence, avant, on allait plus dans les églises faire les rencontres. Mais maintenant, on est outillé pour rencontrer, pour vous rencontrer, pour vous parler de dons planifiés. Avant, c'était 30-40 personnes, mais maintenant, même si c'est une église, on a 5 personnes qui veulent avoir une rencontre, on va pouvoir le faire en Zoom, on va pouvoir vous servir beaucoup plus. Et merci. On veut aussi implanter chez nous un logiciel de gestion interne qui s'appelle Salesforce. Donc, et aussi de nouvelles normes de tenue de livre, mais Émilie a déjà parlé de ça. Et pour les organismes révoqués, c'est un point qui nous a mis beaucoup de stress dans le corporatif. Il y a Émilie qui a parlé de ça, mais moi aussi, je suis comme le défendeur des organismes de bienfaisance. Ben, c'est à l'interne, on pourrait mettre une petite vidéo qu'on brainstorm et vous allez voir. C'est ça, vous allez voir la réalité de ce qui aussi, vraiment. Oh, on est rendu. Ben, maintenant, on est rendu à la période des questions. Donc, si vous avez des commentaires, des questions que vous voulez poser, donc vous pouvez juste lever votre main dans le chat. Il y a certaines de ces questions aussi que Elisabeth pourra lire pour vous et puis ça va nous faire plaisir de vous répondre. Est-ce que si je les mets en galerie pour qu'on les voit? Oui. Mm-hmm. Oui. Ah, on vous retrouve là. On va pouvoir toutes vous revoir. Oh, on est 3 minutes d'avance, hein? Oui! Ah, on a fait on est bien arrivé dans notre temps pour une première. La date, j'espère que vous aussi, vous trouvez que ça va bien. Oui, merci, Pasteur David, pour le pouce. Arrêtez le partage, c'est tout rouge en haut. Ah, bonjour! Voici tout le monde. Donc, Elisabeth, je ne sais pas si tu voulais commencer par nous lire les questions, puis après ça, ceux qui n'ont pas écrit, on pourra répondre. J'ai une question dans le fond qui dit « Qu'est-ce qu'un don planifié? » OK. Oh! De Daniel Dupuis. Oh, très bonne question. Très bonne question. Bien, le don planifié, comme Lolo, c'est comme vous voulez faire un don, mais vous planifiez vraiment le don, vous organisez votre don. Donc, nous, ce qu'on fait dans les différentes séances de don planifié, on va rencontrer les églises, on leur parle de l'importance que certains membres de l'église peuvent continuer à bénir l'église, même à travers l'église. Oui, donc on les apprend de l'importance que certains membres peuvent toujours continuer à bénir l'Église, même après leur décès. Donc, ce qu'on a réalisé aussi, c'est qu'ils sont nombreux à ne pas avoir de testament.
OK? Mm-hmm. Donc, les dons planifiés, les séances de dons planifiés qu'on donne, c'est quand même sur deux volets. C'est aller les encourager, premièrement, à avoir un testament qu'on trouve qui est assez intéressant, assez important. Et aussi, le deuxième volet qui est quand même secondaire, c'est leur dire, bien, dans votre testament, vous pouvez toujours faire un legs à votre église et assurer quand même la pérennité ou la continuité de l'organisme que vous aimez. Donc, en grosso modo, c'est ça le don planifié. J'ai une question de Sylvain Scherer. Peut-on tenir des registres des administrateurs membres uniquement sur ordinateur ou faut-il quand même avoir une copie imprimée? Alors, je peux attraper la question au vol. Donc, c'est certain que de plus en plus, on s'en va vers une ère informatisée. Donc, oui, c'est possible de garder le tout sur l'ordinateur. Cependant, quand je dis sur l'ordinateur, je voulais dire en version informatique, ça m'amène mon petit côté à vous dire, n'oubliez pas les backups. Alors, beaucoup d'organismes nous arrivent, ben, je dis beaucoup, c'est arrivé dans les dernières années, café renversé sur le laptop, vol de laptop, dégâts d'eau, que l'Église a tout perdu les données. Alors, dans la mesure que vous avez un deuxième, un safety, donc une sauvegarde ailleurs, oui, c'est possible de garder ça en informatique. Puis que si le gouvernement demande de voir les papiers, c'est facile de les retrouver. Oui, alors ce n'est pas nécessairement obligé d'écrire la question dans le chat. S'il y en a qui veulent le parler, il n'y a pas de problème. Tu voulais-tu dire quelque chose? Oui, mais je voulais dire comment rapidement aussi, on a un de nos partenaires, je pourrais voir avec lui, qui s'appelle Technova, qui offre le service de sauvegarde informatique. Donc, dépendamment de ce que vous avez, s'il y a des documents importants que vous voulez sauvegarder au cas où il arrive quelque chose dans... à l'église, c'est comme un plan de contingence, je l'appelle comme ça. Donc, vous savez que s'il arrive quelque chose à l'église, que vos documents sont sauvegardés quelque part et que vous pouvez toujours avoir accès au backup. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Je pense que Guillaume avait levé la main. Guillaume? Oh. Ça va nous parler. En fait, j'avais applaudi. Oui, c'est un applaudissement, désolé. C'est un applaudissement, mais moi, je vais en profiter pour te présenter. Alors, Guillaume fait partie de Capréa. Capréa est un outil extraordinaire que Donald utilise beaucoup dans le financement. Je vais même te relancer le rebond. Oui, Guillaume, c'est notre partenaire. C'est lui qui s'occupe d'évaluer les bâtiments que nous finançons à travers CSS. Donc, certains clients dans le chat que nous avons déjà financé, ils ont peut-être déjà parlé à Capréa ou Guillaume Fournier ou un des employés de Capréa. C'est vraiment un beau partenaire et on est vraiment béni de l'avoir dans notre staff. Merci beaucoup. Merci. Très apprécié. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions ou commentaires? Moi, j'aimerais offrir un petit mot de témoignage. Bonjour, Monique. Bonjour, Émilie, Donald et Linda. Et je veux saluer aussi Roger et Claire par voie électronique. Je les vois sur l'ordinateur. Moi, ça fait 20 ans que je connais le CQOC. C'est vrai. Mais depuis 2 ans, j'ai travaillé à mettre sur pied un petit organisme et sans eux, ça aurait été impossible. Puis je connaissais un peu les papiers, là. Mais je vous dis, on a réussi. On a eu notre approbation du premier coup. Là, j'ai acheté le DDR2 parce que je pensais, on m'a dit, fais ton petit dessin. Hey, là, j'ai acheté le DDR2, j'ai reçu et reçu, c'est imprimé, c'est parti par courriel, sans eux, je vous dis, c'est vraiment, c'est un investissement, le 138 $. On est un tout petit organisme, mais vraiment, ils sont professionnels, ils sont sur la coche, comme on dit. Amen. Et je remercie Seigneur pour... Papa Roger, qui a eu et Maître Allard aussi, là, j'ai appris qu'il a pris sa retraite aussi. Mais vraiment, vous avez été des précurseurs, puis je rends grâce à Dieu pour votre vision et la réalité. Et pour la nouvelle génération, Émilie qui est maintenant là, Donald, c'est très, très encourageant. Et voilà, je voulais vous saluer et vous remercier. Merci pour ton partage.
Moi, j'aimerais, si c'est possible, prendre la parole. Bien sûr. Il fallait que tu lèves ta main des airs. Ah, bon, bien, je vais lever la main. Je n'ai pas levé ma main, moi non plus. Je vous écoute depuis le début. Mm-hmm. Et puis, il y a une émotion qui me vient au cœur, c'est la fierté. Mm-hmm. La fierté de voir cette génération, cette relève qui veut travailler sans compter les heures, travailler pour le ministère. Et on sait que les défis qui viennent dans les années futures vont être grands. Le Seigneur nous l'a dit qu'on traverserait des temps difficiles, ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Et de voir ce dynamisme, ces beaux projets que vous avez en tête, mon cœur déborde de joie. Merci d'être là. Et merci, chers clients, ceux qui nous avez encouragés, parce qu'il y a eu des périodes de grand découragement. Mais merci à vous tous qui nous avez soutenus, encouragés et surtout priés pour le CQ et le CS. Merci, merci beaucoup. Vous êtes ma fierté, vous êtes ma joie. Et tous les jours, je remercie le Seigneur que vous soyez là. Merci. Merci pour ton partage. Peut-être pendant, je vais peut-être te prendre par surprise, papa. Il y en a beaucoup, je suis certaine, qui ne savent pas comment a commencé. C'était quoi la vision, dans le fond? Oui. Comment le Seigneur t'a parlé de la vision? J'espère que je ne te prends pas trop au dépourvu. Est-ce que tu peux donner quelques mots là-dessus? Parce que c'est seulement lui qui peut faire ça. C'était la première vision était en février 2020, où j'entendais des soldats qui marchaient au pas. Il y avait une colline. Et là, il y avait deux régiments qui déferlait, et à la tête des deux régiments, il y avait la croix. Et ça se répétait nuit après nuit après nuit. Et moi, j'ai compris que le Seigneur voulait que je mette sur pied un regroupement professionnel. Excusez. Un regroupement professionnel pour desservir la communauté chrétienne, parce qu'il y avait beaucoup de questions, mais peu de réponses. Personne ne voulait se spécialiser dans ce milieu-là. Parce qu'on me disait, c'est une gang de pauvres, il n'y a rien à faire là-dedans, ils ne pourront même pas te payer. J'ai partagé cette vision-là avec Michel Marcoux, que probablement plusieurs connaissaient. Michel Marcoux m'a soutenu dans ce projet-là. Et quand est venu le temps de le mettre sur pied en mai 2020, j'ai reculé. En 2000, pardon. Et j'ai dit, oublie ça, Michel, ça n'a pas de sens, cette histoire-là, on va se péter à la fuse, ça ne fonctionnera pas. Et j'ai fermé le dossier. En février 2021, la même vision revient. Même vision. 2001. En 2001. Oui, merci de me corriger, Mimi. Et puis, moi, j'ai dit, Seigneur, à moins que tu m'envoies un fax, je n'irai pas de l'avant avec ce projet-là. Envoie-moi un fax. Et gérer de l'avant. Michel, alors, avait des réunions sur le combat spirituel la fin de semaine. Fin de semaine sur le combat spirituel. Il avait loué une salle à Elmer. Et puis, quand je suis rentré dans la salle, il y avait à peu près une cinquantaine de personnes. Il y a un monsieur qui se lève, qui vient me voir. Il dit, une nuit en février 2020, le Seigneur m'a réveillé et m'a demandé de faire un dessin. Il dit, j'ai pris le cahier brouillon de mon fils, qui était au primaire, et j'ai dessiné des ronds. Il dit, c'était comme deux escadrilles, puis dans le milieu, il y avait un triangle avec une croix. Il dit, j'ai regardé ça, ça ne me disait rien. Il dit, j'ai refermé ça. Et puis, quand vous êtes entré dans la salle, et un an après, il dit, j'ai su que c'était pour vous. Alors, j'ai dit, Yves, est-ce que je peux voir ton dessin? Il dit, je ne l'ai pas avec moi, mais il dit, je vais te l'envoyer par fax. Et il m'a envoyé par fax, et le dessin est exactement la vision. Et pendant longtemps, je me suis demandé, mais pourquoi deux escadrilles? Pourquoi deux?
voyez, aujourd'hui. Puis il me disait, l'escadrille de droite, elle est deux fois plus nombreuse que l'escadrille de gauche. L'escadrille de gauche, c'est le CQOC. Et l'escadrille de droite, c'est le CS. Et le nombre d'ouvriers au CS est deux fois plus nombreux que le nombre d'ouvriers au CQOC. Et je me dis, mon Dieu, que vous faites bien les choses, Seigneur, que vous faites bien les choses. Et de là, a débuté dans la résidence de Michel Marcoux. Moi, je travaillais sur le divan, sur la côtoire du divan. Puis Michel avait une petite chambre, à peu près 8 pieds par 8 pieds. Et c'est là qu'on a commencé. Et à un moment donné, ça n'allait pas bien. Les clients ne venaient pas. Et j'avais convoqué Michel Marcoux à mon bureau de comptable. On était dans la salle de conférence. Et quand je suis dans la salle de conférence, mais la secrétaire, Eliane, sait qu'elle ne doit pas me déranger dans la salle, qu'elle ne me passe pas les appels. Et moi, je dis à Michel, regarde, ça ne lève pas, c'est pas là. On perd notre temps. Et là, Eliane cogne à la porte de la salle de conférence et elle dit, il y a une dame au téléphone qui dit qu'elle a perdu son numéro d'enregistrement, qu'elle a besoin d'aide, c'est seulement le Conseil québécois qui peut l'aider, puis je ne sais plus quoi faire avec. Elle dit, M. Thibault, je sais, je ne dois pas vous déranger, mais je ne suis pas capable de m'en débarrasser. Je venais de recevoir ma réponse. Mm. Et elle m'a dit, non. J'écoute. Je suis très émotif quand je relate ces informations-là. Merci de m'avoir écouté. Des amours. Merci pour le partage. Est-ce qu'on a d'autres questions qui se présentent? Peut-être pendant que vous continuez à y réfléchir. Linda, 28 février, ça rime à quoi? La fin des impôts, des reçus. Oui. Alors, c'est vraiment important, là, le 28 février, que vous n'oubliez pas, parce que c'est une course contre la montre, oui. De remettre vos reçus de dons à vos donateurs. Tu voulais-tu rebondir sur quelque chose? Oui, pendant qu'on attend les questions, je voulais vous partager une information que j'ai par rapport à une demande de subvention qui a ouverte auprès du gouvernement fédéral. Le fédéral va injecter 400 millions dans un programme qui s'appelle Fonds de relance des services communautaires. Donc, vous pouvez, les églises sont éligibles parce que la religion est éligible pour cette demande de subvention. Donc, je vous invite à aller, vous pouvez taper ça sur Google, ça s'appelle Fonds de relance. On peut mettre le lien sur Facebook. Oui, mais on peut aussi mettre le lien sur Facebook. Ça s'appelle Fonds de relance des services communautaires. Les églises sont éligibles, tapez-le. Les églises locales ou les organismes locaux peuvent aller chercher entre 10 000 à 100 000 $ auprès du fédéral. C'est quand même assez intéressant. Donc, allez consulter ça. On va mettre le lien sur notre Facebook que vous pouvez aller consulter. Et Je vous conseille d'aller faire les demandes. Ça a trait aussi à la COVID parce qu'ils sont au courant que les organismes communautaires ont été vraiment affectés par la COVID. Donc, je vous encourage fortement à aller faire cette demande. Nous, c'est une démarche qu'on va justement faire. On est en prière et réflexion pour voir le projet parce que justement, la première subvention qu'on a eue a permis, on l'a dit tantôt, tapis, peinture, actualiser notre équipement informatique. Mais maintenant, pour produire des vidéos, des tutoriels, ça prend aussi des fonds. Et on va monter un projet, on va demander au Seigneur sa direction et on va prier pour sa faveur qui puisse continuer à être sur nous. C'est ça. Et puis, l'une des choses qu'on va faire aussi, c'est certaines fois, merci, quelqu'un a mis le lien sur le chat. Vous pouvez le regarder. L'une des choses qu'on va faire aussi, c'est des fois, si on trouve qu'il y a quelques demandes de subvention que les églises et les organismes chrétiens sont éligibles, on va les mettre sur notre Facebook. C'est pour ça qu'on vous demande tantôt de rester connecté à nous sur notre Facebook pour les différentes informations qu'on aura à vous partager. Je vois, attends, je l'ai perdu. Sylvain, où es-tu?
Sylvain Chérès, est-ce que tu peux parler? Il est parti tantôt. Ah oui? OK. Ben, je voulais parler parce que j'ai vu Sylvain de EMCI, pour ceux qui connaissent cet organisme-là. Je ne sais pas si tu voulais partager un petit peu au niveau du financement. Par rapport à EMCI? Mm-hmm. Ben, comme je disais tantôt, nous, au Conseil québécois, on aide des organismes au Québec à avoir du financement avec un autre organisme partenaire que nous avons qui s'appelle Christian Stewardship Services. Donc, pour avoir le financement, généralement, CSS demande à ce que le client ait une mise de fonds de 30 % minimum. Et ils vont calculer le 30 % entre le moins de la valeur marchande et le prix payé. Donc, pour pouvoir financer les immeubles au Québec, ce que CSS fait, ils reçoivent l'argent à travers un programme qu'ils ont qui s'appelle accord de dépôt révocable. Les accords de dépôt révocable, c'est un contrat que le client consent de déposer un certain montant à CSS pour un minimum de 2 ans. Certaines églises qui veulent accumuler des fonds pour acheter un bâtiment, c'est un programme que moi, je les encourage beaucoup à mettre de l'argent pour, parce que ça donne quand même un rendement assez intéressant. Et les églises aussi qui ont un surplus de liquidités peuvent aussi investir leur argent à CSS. Ça permet à ce que cet argent que vous détenez, ça serve encore dans l'œuvre de Dieu. Ça construit le royaume. Au lieu d'avoir à la banque qui généralement ne veulent plus prêter, donc ça permet à CSS, ça nous permet aussi d'investir dans l'acquisition de beaucoup plus d'immeubles. Comme Émilie parlait tantôt, c'est ces différents dépôts qui ont permis à CSS d'investir, de participer au financement de EMCI, de participer à l'acquisition d'autres immeubles, que ce soit à Montréal, d'investir à l'école L'eau vive, d'investir à d'autres organismes religieux, que ce soit au Québec ou partout au Canada. Donc, nous, si vous voulez aussi avoir plus d'informations, sentez-vous à l'aise de m'appeler directement. Mon poste, c'est le 1-8. Ça me ferait plaisir de vous répondre. Notre metteur en scène nous communique quelque chose que mes yeux ne sont pas capables de lire. Alors, un petit bloopers. J'ai pas été capable de lire. Tu l'as fait trop vite. Ben moi, je suis juste curieuse de savoir, dans ceux qui sont présents avec nous aujourd'hui, qui fait affaire avec nous pour des services qu'on offre. Je ne sais pas si vous pouvez lever la main. On en a quelques-uns ici. Ouais. Dans la comptabilité, dans la plus le côté. Ah ben ça. Moi, je connais beaucoup de clients. Ah oui, des gens à qui on parle régulièrement. C'est presque la toute la moitié. Ben je veux saluer un groupe assez particulier qui ils sont au bureau. Ils sont au bureau présentement. Dans mon bureau spécialement, je voulais faire un petit coucou. Oui, c'est Marie-Donald Alexandre. Vous pouvez vous parler? Okay. Alors, on a des courageux. Ah, on ne peut pas les activer le micro, mais on veut juste souligner des gens qui viennent de Chicoutimi, qu'on a dit tout à l'heure. Oui, Chicoutimi, ça... Mais j'aimerais leur informer que l'entrée est très gratuite, mais la sortie, il faut payer. Donc, on est content de les avoir avec nous. J'aimerais aussi vous encourager à ce que vous puissiez connecter les organismes les uns les autres. Quand il y a une possibilité de travailler avec un organisme qui fait déjà une œuvre sur le terrain, c'est toujours, on est plus fort en groupe. Je pense, là, je ne les vois plus, Bears of Love que j'ai vu, pouvez-vous parler? Je ne les vois plus à l'écran. Mike and Sue.
Alors, je ne vous vois pas. En tout cas, ce n'est pas grave. Et on a un organisme, comme je vous disais, Bears of Love, qui est un organisme qui s'implique en Ukraine. Alors, quand on peut justement travailler, soutenir des organismes qui sont déjà sur le terrain, prier, je pense à Alt Espoir, je vois Ivy en haut à droite, qui est un organisme qui veut aider les personnes en détresse. Ils ont besoin qu'on prie pour un local, que le Seigneur puisse donner faveur dans la ville de Gatineau pour vraiment qu'ils puissent avoir un pied à terre et faire une différence. Je pense à Monique, que je vois du coin de l'œil avec Centre Milembwe, qui est un organisme qui veut aider les orphelins, les enfants démunis pour les instruire, pour essayer de briser le cycle de la pauvreté. Je vois, bon, Dell à qui on parle régulièrement pour différents projets, qui a plusieurs chapeaux au niveau de l'association. De réseauter, de prier les uns pour les autres, de se garder en contact, puis de voir comment des fois nos organismes, qui sont des organismes de bienfaisance, peuvent donner un don à un autre organisme de bienfaisance pour s'impliquer dans un de leurs projets. Donc, ça évite de dédoubler, puis on est plus fort en équipe. Donc, prions les uns pour les autres et soutenons-nous également. Là, s'il y en a que je n'ai pas nommé, ce n'est pas parce que je ne vous aime pas, c'est parce que je ne vous ai pas... l'écran, on voit un certain nombre de personnes, donc il y en a que je ne vois pas, mais le Seigneur vous a vu. Oui, Elisabeth, ouais. Tu voulais me dire? Tu peux me dire quand tu veux qu'on revienne au PowerPoint pour la clôture. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires avant le mot de clôture de fin? Oui. Oui, bah, oui, allez-y. Bonjour, mon nom c'est Gabriel. J'ai obtenu ma charte avec vous il y a longtemps, c'était en 2005, ça fait un petit bout de temps. Fait que je veux remercier, puis je veux remercier toute la relève justement, parce que je ne reconnais personne là. Fait que félicitations pour la relève. Mais c'était pour revenir au fond de relais du service communautaire. Est-ce qu'il faut aussi là un 30% de mise de côté de notre part pour avoir accès à ces fonds-là? Ou non, et secondement, est-ce qu'on a besoin d'avoir un emplacement? Non, pas forcément. Mais le fonds de relance des services communautaires, c'est une subvention que le gouvernement fédéral va donner. Donc, pour ça, c'est juste écrit en projet. Là, je vous invite à cliquer sur le lien parce que quelqu'un l'a partagé dans le chat. Et puis, ils ont aussi un tutoriel que vous pouvez aller écouter. Ils ont un guide pour faire la demande de financement que vous pouvez aussi imprimer et faire la lecture. C'est un programme qui est ouvert maintenant, mais le délai pour soumettre la demande, c'est le 21 février. Oui. Et le programme va commencer à partir du 1er mai jusqu'au 30 avril 2024. Okay. Donc, vous allez trouver toutes les informations dans le guide. Quand vous cliquez, vous allez avoir accès au site Internet. Donc, ça, c'est autre chose. Mais pour le fonds, pour le financement, c'est si vous voulez acheter une bâtisse. OK? C'est un prêt hypothécaire à travers notre partenaire Christian Stewardship Services qu'on peut vous aider à aller à avoir pour acheter un bâtiment. Donc, OK, ça, c'est le CSS que tu parles, c'est ça? Oui, ça, c'est le CSS. Mais le fonds de relance, c'est quelque chose que le fédéral met sur pied pour aider les organismes communautaires. Oui, fait là, tu demandes, mais pour le CSS, pour la bâtisse, pour l'acheter, là, il faut le 30% au moins de dépôt ou d'avoir. OK, fait que si, parce que présentement, les édifices sont très coûteux. Si tu peux acheter un édifice, on va facilement payer minimum 300 000, sinon pas plus. Ah, pour avoir un bon édifice, il faut augmenter, il faut frôler le million au moins là, pour avoir un bon édifice là, présentement aujourd'hui. Avec 30% de demande au moins 300 000 $ de mise de côté. Hein? Minimum, oui. OK, merci. Bienvenue. Ça fait plaisir. Dernière opportunité. Oui. Allez-y, M. Yvon. On ne l'entend pas. Oh, on ne vous entend pas. Oui.
Malheureusement, on ne vous entend pas. Votre micro est activé, mais on n'a pas de son. OK. Ah, voilà! Ouf! Allez-y. Oui, c'est ça. Moi, je trouve que ça commence à me coûter cher pour l'Église, pour les assurances. L'assurance du bâtiment, puis l'assurance aussi harcèlement ou quelque chose de semblable. Là. Alors, j'ai trouvé que ça a augmenté beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, oui, mais on n'est pas à côté, ça c'est plus une question que Racine pourrait, un côté de Racine pourrait répondre, mais si on regarde le marché, c'est partout les assurances ont augmenté, surtout avec la COVID, les différentes réclamations qui ont été faites, donc ça a un, même si c'est des demandes qui sont généralement plus ou moins micro, mais les répercussions c'est macro, donc partout, même pour moi, personnellement, pour nos voitures, on voit que les assurances ont augmenté. On n'a pas vraiment de contrôle là-dessus, mais c'est quelqu'un qui pourrait regarder votre contrat et vous dire pourquoi que c'est augmenté. Mais je sais que c'est de manière générale que les assurances ont augmenté. Parce que je sais que c'est vous, autres qui nous avez conseillé cette assurance-là. Oui, bien, on vous conseille... On vous dit qu'il y a un rabais avec Racine Chabalin si vous assurez avec Ecclesiastical, mais on sait que c'est un bon partenaire, ils sont des professionnels, et puis leur devoir, c'est d'aller chercher le meilleur pour l'Église. Donc, à ce moment-là, vous pouvez les appeler, et puis ils vont magasiner. Si ce n'est pas Ecclesiastical, peut-être de regarder avec Winwall quelqu'un d'autre, mais comme je vous dis, le prix, est-ce que ça dépend des autres? Je ne pense pas. C'est de manière générale, on va voir que les assurances ont grimpé ces jours-ci, et on ne détient pas vraiment le contrôle. Là, je vous invite à consulter votre courtier chez Racine Chabalin qui pourra mieux vous aider avec ça. OK, merci. Vous faites un excellent travail à part ça. Merci beaucoup. Et la France aussi. Oui, oui. Il y a une question de France. Oui, c'est ça. Bien, merci beaucoup pour votre excellente présentation, premièrement. Et ma question, c'est parce que, Émilie, tu viens de nous parler de différents organismes là, dans le... avec le coq, etc., de réseautage, mais en fait, on les, ben, en tout cas, moi, personnellement, je ne les connais pas, tu en as nommé quelques-uns. Est-ce qu'il y a une possibilité d'une quelconque façon qu'on pourrait avoir comme une liste des noms et c'est quoi leur... Ben, il y a toujours à l'Agence du revenu du Canada. Okay. Je pourrais t'envoyer le lien. Il y a possibilité de chercher les organismes de bienfaisance par ville. Donc, ou avec les codes postaux, et ça permet de voir quels sont les organismes qui sont dans votre area, dans votre... OK. Exactement. Okay. Fait que je pourrais t'envoyer ça. OK. Non, mais je parlais au niveau aussi du coq, là. Des fois, il y a des choses qui peuvent se ressembler un peu, qu'on peut... connectés ensemble, c'était un peu dans ce sens-là. Oui, mais sinon, des fois, nous, on essaie de vous mettre en contact. C'est ça. Des fois, mettons, quelqu'un qui veut faire, je ne sais pas, tantôt, je nommais le travail en Ukraine, mais on peut dire, il y a Bears of Love qui existe et tout et tout. Oui, oui, c'est ça. Des fois aussi, c'est de faire des recherches sur Internet, mais c'est... Avant, on avait un guide de direction chrétienne qui existait, qui avait juste... Plus, non, non. Fait que si quelqu'un veut prendre la relève, c'était un outil qui était extraordinaire parce que c'était classé par région et tout et tout. Okay. Mais sinon, moi, je vois à l'agence qu'on peut faire des recherches par secteur, par type d'activité, type d'organisme. Et ça peut permettre de faire un réseautage pour voir des fois, là, dire « Ah, mais il y a tel organisme, je vais aller voir son site Internet ». Pour connecter. Et il y a aussi le Saint-Esprit. Alors que le Seigneur, des fois, on peut dire, Seigneur, mets-nous en contact avec des gens, des organismes qu'on pourrait travailler ensemble. Et dans un hasard divin, comme on dit, le Seigneur peut aussi faire des surprises. Merci. Il me semble que j'ai vu une autre main. C'est non? Moi. Oui, oui. Voilà. Pasteur Boutius. Ça va? Ça va. Ça va. Je vous salue et puis félicitations, un super travail. Merci. Ma question est très simple. Dans un lieu de culte où il y a le culte qui fonctionne, et si dans ce lieu de culte, il y a un centre communautaire également dans cette même adresse, est-ce que l'Église
et le centre communautaire, les deux peuvent faire en même temps séparer une demande de subvention. Ben, oui, oui, parce que ben, les deux sont deux personnes morales différentes. C'est, okay. C'est, ben, la question d'adresse ne poserait pas de problème parce que c'est comme, ben, je prends l'exemple, moi et Émilie, on travaille pour le CQOC, mais on est deux personnes différentes. Donc, nous deux, on a notre identité. Donc, pour le centre communautaire et l'Église, c'est deux personnes différentes, deux identités différentes, des objets différents. Deux organismes de bienfaisance différents. Donc, ils sont éligibles pour faire leur demande. Je vais juste ajouter quelque chose pour terminer. En ce qui concerne notre frère qui a parlé de l'augmentation des assurances, alors c'est surtout le coût des reconstructions qui augmente. Alors, si l'assurance doit reconstruire quelque chose, alors, vu que le marché augmente, les matériaux augmentent, c'est normal, les assurances se préparent à l'avance. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est un bel angle à considérer. Je vois le temps qui vient de se rendre à 1h30. Donc, on ne veut pas vous retenir plus longtemps. Vous avez promis qu'on arrêtait à 1h30. Alors, Elisabeth, si tu veux juste m'amener, je vois que tu es en route vers le mot de la fin. Il y avait vraiment des éléments précis qu'on voulait conclure avec. Tout d'abord, on le dit, mais on le redit, merci pour votre présence. Que vous ayez pris ce temps à part pour venir avec nous en virtuel ce midi, ça nous touche beaucoup. Ça nous encourage également à continuer. C'est une bénédiction pour nous d'avoir pu mettre des visages à des noms, de revoir certains visages, parce que souvent, on va se parler par téléphone ou par courriel. Donc, c'est une bénédiction de voir vos beaux sourires également. On veut vous dire que pour nous, les services professionnels qu'on offre à la base, et en fait, c'est l'unique raison pourquoi on fait ça, c'est servir le Seigneur. Donc, c'est une grande raison. C'est vraiment lui pour qui on fait tout ça. Et notre façon de l'adorer, de le servir, c'est en prenant soin de vous. Et c'est une façon également de vous aimer et de vous accompagner dans la mission que le Seigneur vous a donnée. On vous encourage à être de bons intendants en son nom. On sait quand le gouvernement voit Église une telle, ministère chrétien un tel, on veut être des bons témoignages. On ne veut pas que les gens disent, bon, une autre église tout croche. On veut qu'ils disent, waouh, eux autres, là, ils se démarquent de par la qualité des rapports qu'ils complètent, qui arrivent dans les délais, qui arrivent pas en retard. On veut se rappeler qu'on est une grande famille. Prions les uns pour les autres. Et comme tout à l'heure, France disait, bon, comment on peut faire pour réseauter? Il y a d'aller voir les sites Internet, aller voir... Facebook également, oui, c'est un bon point, et de demander aussi au Seigneur. Puis des fois aussi, vous pouvez nous demander, des fois, s'il y a des organismes qui, à notre connaissance, existent, et on peut vous référer vers des sites Internet. Et en terminant, s'il vous plaît, continuez à prier pour nous. Des fois, les gens nous voient comme un bureau lucratif avec une grosse équipe, des gros moyens financiers et tout, mais on est des soldats comme vous. Vous l'avez vu, notre équipe, on est des passionnés du Seigneur, passionnés de le servir, mais aussi, il y a du défi, il y a du combat spirituel, il y a l'ennemi qui n'aime pas ce qu'on fait, qui met des bâtons dans les roues. Alors, n'oubliez pas, gardez-nous en prière pour qu'on puisse continuer à agir sous la sagesse et la protection du Seigneur. Donc, je vous laisse sur ce mot de la fin. Et que le Seigneur vous accompagne. Amen. 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 Merci.